Le thème principal de notre semaine spirituelle est intitulé Triompher du monde par les standards de la sainte doctrine. Triompher du monde par les standards de la sainte doctrine. Le thème, le sous-thème d'hier, le premier sous-thème, la victoire sur Satan, son armée invisible, invisible en Christ dans la sainte doctrine. Et nous voyons que les têtes n'étaient pas là hier qu'on voit aujourd'hui. Nous les invitons vraiment à écouter l'enseignement d'hier parce que c'est le fondement qui est en train de nous amener dans le séminaire. Gloire à Jésus. Donc, le sous-thème du jour est intitulé comme suit. Naître de Dieu. Naître de Dieu. Et triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Naître de Dieu et triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Naître de Dieu et triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Naître de Dieu. Triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Gloire à Jésus. Hier, nous avions compris comment le mal a été vécu sur la terre. Comment à la croix Dieu a condamné le péché de la chair. Comment à la croix le diable qui combattait, qui détenait le pouvoir sur les hommes a été précipité. Nous avons compris comment celui qui détenait la force, la clé du séjour des morts. Nous avions compris que celui qui détient la clé du séjour des morts s'est vu dépouillé. C'est que lui a été arraché par Jésus. Et il a restitué les armes qui étaient en son sein dans le séjour des morts. Il a aussi restitué les biens, les richesses qu'il a volées au ciel pour personne et corrompre l'univers. Et ce buté vous a été donné par la victoire de la croix. Nous avons compris que en Jésus, nous avons le pouvoir de triompher d'abord du prince du monde. Parce qu'on ne peut pas triompher du monde sans triompher de celui qui détient le pouvoir du monde. Celui qui ne devait pas le détenir, mais il l'a détenu à cause de sa rébellion, de sa première précipitation. Et aussi parce que le sang n'était pas encore versé. Quand le sang prédestiné avant la fondation du monde n'avait pas encore été versé, il détenait la pouvoir. Il était le plein de ce monde jusqu'à la croix. Mais pour nous qui croyons en Jésus, dis répète avec moi. Pour nous qui croyons en Jésus, pour nous qui croyons en Jésus, il n'est plus le plein de ce monde. C'est nous maintenant les princes qui avons reçu l'autorité de dominer sur lui, de dominer sur les serpents, de dominer sur les autorités. Parce qu'à la croix, Jésus a triomphé d'eux. Il a triomphé d'elle, de cette domination, de ces autorités. Et maintenant, nous sommes ceux qui dominent sur le monde. Ceux qui n'ont pas Jésus, oui, Satan peut être pour eux le prince de ce monde. Pour nous, il n'est pas le prince. Pour nous, il n'a aucun pouvoir. Parce que Jésus dit, le prince de ce monde a été jugé. Et Satan est sous nos pieds. Acclame Jésus.
Gloire à Jésus. Maintenant, nous ne pouvons pas triompher du monde. Si nous n'avons pas le pouvoir. Oui, Satan est vaincu. Il est vaincu. Mais toi, nous devons connaître ces choses pour triompher de lui. Parce que quoi qu'il soit vaincu, il a été précipité sur la terre. L'écriture dit dans Apocalypse 12, malheur à la terre, malheur à la mer, puisque le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il y a encore plus de temps. Quoi qu'il soit vaincu à la croix, il dit non. Quoi qu'il soit vaincu à la croix, il est dans le monde. Il est encore dans le monde. Que faire pour ne pas se laisser triompher, c'est-à-dire par lui sur la terre? Nous qui sommes en Jésus, qui croyons à la croix de Jésus, naître de Dieu et triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. En cette génération, en ce monde rempli de péché, en ce monde rempli d'iniquité, en ce monde rempli d'abomination, il est important, important que ceux qui veulent triompher du royaume de Satan, ceux qui s'engagent à triompher du monde, puissent avoir un pouvoir supérieur au pouvoir de Satan. Et c'est ce pouvoir qui est donné par la parole. Je ne peux pas triompher du monde si je suis fils du diable. Je ne peux pas triompher du monde si je ne suis pas enfant de Dieu. Si je ne suis pas fils de Dieu. Alléluia. Amen. D'abord, la parole de Dieu est l'élément avec lequel mon Seigneur a tout fait. Triompher du monde, naître de Dieu et triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Jean chapitre 1 à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous disons que la parole de Dieu est l'esprit. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la lumière. Cette parole a une puissance créatrice. Elle a une puissance créatrice. Donc la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est l'esprit. La parole de Dieu est la vie. Mais la parole de Dieu a une puissance créatrice. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Rien n'a été créé sans la parole. La parole qui a une puissance créatrice est un pouvoir. Ou encore est doté d'un pouvoir. Alors nous sommes par lequel les choses que Dieu dit, les choses que Dieu idéalise, les choses que Dieu pense en esprit, il le met en réalisation par cette parole. Donc la parole de Dieu a un pouvoir de création. La parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu ordonne et les choses qu'elle ordonne arrivent. C'est ça le pouvoir spirituel. Puisque cette parole n'est pas une parole charnelle. C'est le verbe de la création. Par laquelle Dieu a tout entendu. Et tout ce qu'il a entendu, c'est accompli. Et nous disons que c'est pas la foi. Notez tout au fur et à mesure, écrivain, notez tout au fur et à mesure, tout ce que je dis, notez tous les éléments. Et nous disons que pas la foi. Nous savons que c'est pas la foi que le monde a été créé par la parole. Et tout ce qui a été
manière visible de Dieu. C'est révélé d'une manière visible. Par la foi. Par la parole. Donc la parole a un pouvoir. La parole est une lumière. La parole est esprit. La parole est vie. Donc la parole a une puissance créatrice. Une puissance créatrice. Si à ton frère, la parole a une puissance créatrice. 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 C'est le verbe de la création. C'est le verbe spirituel de la création. C'est un pouvoir. La parole est un pouvoir. Elle est aussi dotée d'un pouvoir. Mais qui est spirituel? Qui ordonne les choses qu'elle ordonne se réalisent? Qui crée? Qui idéalise? Qui produit? Qui dessine? Qui préfigure? Et tout ce qui vient de la parole est visible s'accomplit dans la réalité. Donc la parole a une puissance. Gloire à Jésus. Lisez-moi, on dit qu'au commencement était la parole. C'est écrivé, au commencement était cette parole. Qui a pu faire cette parole qui a le pouvoir. Cette parole qui a le pouvoir sur l'univers. En réalité, la parole de Dieu a été créée même avant toute autre création. Au commencement était la parole. La Bible dit qu'il est que la parole est le premier né de toute la création. Avant même la création des cieux et la terre, la parole déjà était dans la pensée de Dieu. Cette parole était dans la pensée de Dieu. A accompli les choses visibles. C'est pas elle que les choses existent. Donc elle a existé premièrement. C'est pourquoi l'écriture dit il est le commencement et la fin. Et qui est la parole? Quel est son nom? Quel est son nom? Apocalypse 19 dit que son nom est la parole de Dieu. L'identité de la parole de Dieu, c'est Jésus. La Bible dit à Jean 1 que ceux qui croient au nom de la parole sont enfants de Dieu. Donc, l'homme a été créé par la parole de Dieu. Les éléments de la terre, les éléments des cieux, les éléments de la nature ont été tous créés par la parole de Dieu. Mais parmi eux tous, l'homme Adam, dans le jardin, est le seul qui a été créé à l'image, à la ressemblance parfaite de Dieu. Ce qui veut dire que, parmi toutes les créations, seul l'homme a le pouvoir spirituel. Seul l'homme a la puissance créatrice. Seul l'homme qui est créé à l'image de Dieu est la lumière, est l'esprit, est la vie, est le verbe de la création. Il y a aussi le pouvoir de la création. Bon. Est-ce que vous avez compris? Mais là, c'est comment? La parole de Dieu a un pouvoir, n'est-ce pas? Qui comprend maintenant le pouvoir de la parole de Dieu? Qui est-ce que comprend le pouvoir de la parole? Ça veut dire que la parole est un pouvoir. C'est un pouvoir quand Dieu a un pouvoir là. C'est une force terrible. Une conscience qui ne peut même pas être égalée. Par les choses qu'on ne peut même pas utiliser pour comparer à la parole. On dit que nous les sommes. L'humanité est aussi créée par la parole de Dieu. On dit que tous les éléments du monde étaient aussi créés par la parole de Dieu. Mais l'homme est à l'image, de la parole de Dieu. Ce qui me dit que la parole est Dieu. Si la parole est Dieu, et que l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme aussi est ce que la parole est. La parole est esprit. L'homme est aussi esprit.
salut. La parole est un pouvoir. L'homme aussi est un pouvoir. La parole est la puissance créatrice. L'homme aussi a la puissance créatrice. Il est d'abord la puissance créatrice. Qui vient de Dieu est aussi cette puissance d'accomplir les choses que tu fais. Donc nous sommes dotés d'une puissance terrible que nous avons parfois. Nous sommes dotés d'une puissance. Mais on dit que Adam était créé à l'image de Dieu. Ta jeunesse. Et nous disons que un fils qui naît de son père a reçu la semence du père. Et c'est la semence du père qui va de lui, le fils du père. Donc le fils reçoit tout ce qui vient du père. Et le fils reçoit la semence de son père. Le fils reçoit le nom de son père. Le fils reçoit le droit que le même son père a. Le fils reçoit l'héritage de son père. Ou bien, si nous sommes créés à l'image de Dieu, or nous savons que Dieu est le Père. Nous sommes ici les fils du Père qui est le Créateur. Ainsi, ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Nous sommes le reflet pour ce que Dieu est. Nous sommes l'empreinte de la personnalité de Dieu. Qui comprend? Nous recevons un transfert d'autorité ou un dépôt spirituel qui est la parole. Nous, on est à l'image de Dieu. Acclame Jésus. Je suis à l'image de Dieu. J'ai reçu le transfert, le dépôt spirituel de la parole qui me donne le pouvoir sur le monde. C'est ce que Satan il a jalousé. Quand lui était dépouillé, il était dépouillé à terre. Il a fait que l'homme a tout reçu de Dieu. Tout cela avant le péché d'Adam. Et c'est ce que je viens de vous donner. C'est avant le péché d'Adam. Or, ensuite, le péché ne règnait pas. Allons-y dans le livre de 1 Jean 3, verset 8. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. Le diable lui pêche dès le commencement. Déjà au ciel, il a péché. Dans le jardin, il a péché aussi. Oh, Adam était de Dieu, n'est-ce pas? Adam est de Dieu. Adam est le fils de Dieu vivant. Ah, le fils de Dieu ne pêche pas. Celui qui a la semence de Dieu ne pêche pas. Parce que Dieu n'est pas péché. Dieu ne peut pécher. Mais si celui qui est créé par Dieu, celui qui est engendré de Dieu, ne pêche pas. Ou bien? Mais lorsque Adam a péché, Adam qui était à l'image de Dieu, lorsque Adam a péché, on va dire, nous disons pas là, de même que le diable est pécheur depuis le commencement, Adam qui ne péchait pas depuis le commencement, après s'être séduit par le diable, est aussi déclaré pécheur. Déclaré pécheur. Et comme il est pécheur, comme le diable est pécheur, il est appelé fils du Donc c'est qui mène vie de péché, c'est le plus fort de Dieu, le fils du diable. Est-ce que vous comprenez? Voilà. L'homme est d'abord fils de Dieu. Mais quand le péché est venu, il est devenu à l'image de Satan. Par son péché, Dieu ne le voit plus comme un fils, mais il le voit comme le fils du diable. Parce que le diable pêche depuis le commencement. Et celui qui pêche est du diable. Jean 8, 44.
Jean chapitre 8, le verset 44. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Il a le mensonge. Tu es la vérité. Donc tout ce qui pêche on coupait le diable. Et c'est le mensonge que le diable a utilisé. Tout ce qui est là. Oh, l'homme avait été créé par Dieu. Et la parole est la vérité. Donc comme l'homme, quand l'homme a été créé par Dieu, l'homme avait reçu la semence de la vérité. Mais lorsque le péché est venu par le mensonge du diable, parce qu'un billet, je sais que c'est le mensonge que le diable a semé pour tout le monde. Donc lorsque le mensonge est venu dans le cœur de l'homme, l'homme n'est plus fils de la vérité, il est devenu fils du mensonge, ayant pour père le mensonge, et son père le mensonge est le diable. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons par là, par le péché, l'homme a été séparé de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. Lui qui a été créé à l'image parfaite de Dieu. Par ce péché. Par le péché. Il a perdu sa dignité. Il a perdu sa dignité. Il a perdu son appartenance à Dieu. Et est devenu fils du diable. Au commencement, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons tous des fils de Dieu. Il est devenu fils du diable. Parce qu'il a perdu sa notoriété. Il a perdu son pouvoir. L'homme en réalité a perdu son pouvoir. Parce que comme Satan a séduit l'homme. L'homme a perdu son pouvoir. Qui est de Dieu? Pour recevoir ou bien pour se livrer à Satan. Donc nous ne disons pas là encore. Par le péché originel, l'humanité a été soumise au mal. Par le péché originel, l'humanité a été soumise au mal. L'humanité a été soumise au prince du mal. Ou au prince de ce monde. Je vais vous montrer quelque chose. Satan était ici. Ici. Elle a pire. Par sa rébellion, il était précipité d'ici à ici. Comme ça. Bah. L'homme était ici. L'homme n'a pas été précipité. Mais l'homme, Dieu a pris l'homme de là-bas pour venir mettre ici. Dieu va donner l'homme. Dieu va détruire le pouvoir. Dieu va plutôt précipiter Satan qui était ici. Et il va perdre certains pouvoirs. Il n'a pas tout perdu, mais il a perdu certains pouvoirs. Il est descendu sur la terre. Et l'homme qui était au ciel ayant son pouvoir. Parce que l'homme était dans l'esprit de Dieu au ciel. Dès que l'homme a été sorti, est sorti de Dieu. Quand il était sorti de Dieu, il revient sur terre avec tous les pouvoirs. Plus que le pouvoir de Lucifer. Il a reçu tous les pouvoirs. Tous les exercices sur la terre. Vous êtes en train de comprendre?
Donc quand Satan perdit une partie de ce pouvoir, il voit l'homme rivaliser avec lui. Il voit que l'homme, le pouvoir que l'homme a là, dominera sur sa puissante influence. Donc il a fait tout pour faire quoi? Comme l'homme était ici, et est venu ici, dominer sur lui. Il a fait tout pour que l'homme ne domine plus sur lui. Donc quand l'homme a le pouvoir que l'homme a reçu, lui permettait d'être sur la terre, d'être encore au ciel. L'homme a quitté le ciel, était sur la terre physiquement. Mais le pouvoir que l'homme avait reçu, lui même aussi sur la terre, opérait au ciel avec Dieu, de parler spirituellement avec Dieu. Qui comprend? Voilà. Maintenant, comme Satan sait que lui il est à terre, lui il est à terre. Alors qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu séduire l'homme pour chuter l'homme du ciel de la communication qu'il avait avec le Saint-Esprit. Pour maintenant être comme ça, pour revenir comme ça, et pour que l'homme soit comme ça. Qui a compris? Par la séduction de Satan, Satan fait tomber l'homme en haut, dans le séjour de la mort. Et quand il a mis l'homme dans le séjour de la mort, il a pris sa place en haut. Et il pouvait monter, descendre comme il voulait. Qui a compris? Donc nous sommes en réalité en concert. Mais dans le péché, nous sommes déstabilisés comme ça. Et nous descendons en bas. Or, nous devons être comme ça. Ça, c'est la séduction du diable. Parce qu'il n'a pas voulu voir l'homme dominer sur lui, l'assujettir. Gloire à Jésus. Donc l'homme a perdu sa relation avec Dieu. L'homme a ici perdu sa relation avec Dieu. Donc nous appelons cela la mort spirituelle. La mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu étaient unis. Et le même pouvoir que Dieu avait, il a donné le même pouvoir à l'homme. Mais quand le péché est venu, quand le diable est venu, il y a une séparation entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Maintenant, par ce péché, l'esprit de l'homme maintenant s'est attaché à l'esprit du diable. L'esprit de l'homme s'est attaché à l'esprit de Satan. Cet homme est devenu fils du diable, fils de Satan. Cette mort spirituelle, la séparation avec Dieu, l'attachement à Satan, à la semence de Satan qui est le mensonge. Ce mensonge qui a séduit l'humanité et trompé l'humanité. Ce morceau qui a séduit l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu était doté de ce pouvoir suprême. L'homme qui avait été créé à l'image de Dieu était doté d'un pouvoir suprême sur le monde physique, sur le monde spirituel et sur le monde naturel, par la parole de Dieu qui était en lui avant sa chute. Donc avant la chute de l'homme dans le jardin, l'homme, comme je l'ai dit au début, était doté d'un pouvoir suprême. C'est la volonté de Dieu à créer l'homme qui est doté d'un pouvoir suprême au-dessus du monde. Lorsque Satan séduit l'homme, Satan a volé le pouvoir de l'homme et il a donné ça au prince de ce monde, aux autorités. C'est les sorciers aujourd'hui qui utilisent le pouvoir. Les enfants de Dieu ne sont contrôlés par les sorciers. Malheureusement, les enfants de Dieu sont aujourd'hui contrôlés par les démons. Les enfants de Dieu sont malheureusement contrôlés par les
les êtres spirituels de Satan. Parce qu'ils se sont détournés de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, du pouvoir spirituel de la parole de Dieu. Et Satan a pris cela et a livré aux impies de ce monde. Mais par cette doctrine, nous récupérons notre autorité, nous récupérons notre force, nous récupérons la parole de Dieu. Et nous redevenons comme Adam avant le péché. C'est ça la volonté de Dieu, originelle de Dieu avant le péché. La volonté spirituelle de Dieu pour l'humanité avant le péché. Qui me comprend? Balance les mains, balance les mains, balance les mains, balance les mains. Et acclame Jésus. Gloire à Jésus. Avant, écoutez-moi très bien. L'homme pouvait parler et ordonner aux animaux. L'homme pouvait parler aux animaux. L'homme pouvait parler à la terre. Et la terre avait une voix. La terre parlait avec l'homme. Les nuages, les cieux, les éléments embrasés, les éléments de la création pouvaient parler avec l'homme. Avant le péché, l'humanité n'était pas soumise à la vanité. Non. C'est quand le mensonge est entré dans l'homme. L'homme a perdu son pouvoir. Et l'homme ne peut plus contrôler les éléments de la création. Oh, avant. C'est pourquoi même le serpent, le serpent qui est venu séduire l'homme, a parlé avec Adam, ou bien, parce qu'il y avait communication avec les animaux. Il y avait communication. L'homme a perdu cette porte. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est les sorciers qui se métamorphosent, qui prennent le corps d'animaux. C'est les sorciers qui parlent avec l'homme. Les éléments de la terre, les éléments, les animaux. Pourquoi? L'homme a perdu son pouvoir. Nous récupérons ce pouvoir au nom de Jésus. Nous récupérons ce pouvoir au nom de Jésus. L'homme pouvait assujettir les animaux. Les dominer, les commander, les ordonner, selon Genèse 1:18. Non, c'est bon, il y en a lu ça. Assujettissez-les, ordonner, assujettissez, dominer. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Malheureusement, les sorciers parlent avec les animaux. Les sorciers se transforment en animal, etc. Parce que les princes se sont tombés. Les esclaves ont pris leur place. Gloire à Jésus. Avant le péché, l'homme, Adam, étant créé à l'image parfaite de la ressemblance de Dieu, avait le pouvoir d'exercer par la parole la volonté de Dieu sur tous les éléments de la création. Sur le monde, Adam avait le pouvoir exercé par la parole sur toute la création. C'est pourquoi quand vous lisez Romains 8, que l'humanité entière a été soumise à la vanité. Avant, l'humanité, rien n'était vanité. Non. Le péché est devenu une semence abominable dans le monde. Tu as soumis l'humanité à la vanité. Les éléments de la création obéissaient à la voix de l'homme. Parce que l'homme avait la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qui habitait en l'homme. Dieu avait élevé l'homme au-dessus de Satan. Au-dessus du serpent ancien. L'homme qui était doté de la nature de Dieu, qui est la parole, s'est fait séduire par
par le mensonge, par ses pensées, par le menteur depuis le commencement. Sinon, il était saint. Il était attaché à Dieu. Il dominait par la parole. Il triomphait du monde par la parole. Jusqu'à ce que son pouvoir divin lui a été dépouillé par la parole du malin. Par la semence du malin. Par le serpent ancien. Or, cela n'était pas la volonté originale de Dieu. Lisons Psaume 42, verset 6 à 7. Psaume 82, verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Bien aimé, qui a compris ça? Dieu dit sur nous que nous sommes des dieux. Dieu a un pouvoir. Si nous aussi nous avons un pouvoir, à l'image de Dieu. Mais Dieu dit que, oui, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez spirituellement. Pourquoi? Vous êtes des dieux, vous êtes des autorités. Vous êtes des pouvoirs. Mais pourquoi vous mourrez? Vous allez laisser votre autorité auprès de ce monde. Vous allez laisser votre pouvoir auprès de ce monde. Vous allez laisser la gouvernance auprès de ce monde. Pourquoi? Vous mourrez comme un prince, un homme quelconque. Vous mourrez comme un prince quelconque. Or, en réalité, vous ne devez pas mourir spirituellement. C'est alors que l'homme a livré sa force au monde des ténèbres. L'homme a livré son autorité auprès de ce monde des ténèbres. L'homme a livré sa vigueur, sa domination au monde des ténèbres par la mort spirituelle. Or, si on dit que nous sommes des dieux, c'est parce que nous a donné un pouvoir d'agir comme un dieu. Ou bien, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi Dieu, c'est-à-dire pas à l'égard total de Dieu, mais à l'image, à la ressemblance parfaite de Dieu. Bien aimé, lisons Ecclésiastes 10, verset 7. Ecclésiastes chapitre 10, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est le sage qui est en train de parler, l'Ecclésiaste. Il dit, j'ai vu des esclaves marcher sur les chevaux. Qui sont en réalité ces esclaves? Réponse. Satan et son armée. C'est eux les esclaves qui ont été livrés, chassés, dominés dominés par le Seigneur. C'est eux qui avaient été précipités comme étant des esclaves. Mais malheureusement, c'est eux qui sont sur les chevaux. En combat du cheval, c'est quoi? Être sur le cheval. Courir sur le cheval, c'est le symbole de la domination. Parce qu'il y a un compris que Jésus est le conquérant, le victorieux, qui va pour vaincre. Et on dit que monte sur ton char, vaillant guerrier. Ce char, il a dit, c'était un cheval. Va dominer, va conquérir. Mais comment se fait-il que des esclaves, des prêts de ce monde, avant Jésus, des ennemis, des agents de Satan, c'est eux maintenant qui marchent, qui montent
monte sur tes chevaux. Et les autres, J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Et c'est les princes maintenant qui marchent sur terre comme des esclaves. Qui sont orientés les princes? Répondez-moi à haute voix. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Qui sont ces princes? C'est nous, non? Les princes marchant sur terre comme des esclaves. Donc, les esclaves marchent. Les esclaves sont sur les chevaux pour dominer. Et pendant que les esclaves dominent, les princes qui devaient normalement dominer, eux sont à terre. Ils marchent comme les esclaves. Le péché, c'est ce péché qui a conduit l'humanité à ça. C'est la séduction qui a conduit l'humanité à ça. Donc nous disons que les esclaves sont des dominations, des autorités de Satan sur des chevaux. Monter sur un cheval, c'est parti pour vaincre et dominer. Or, c'est des esclaves qui sont vaincus, qui ont pris la place même des princes qui devaient monter sur les chevaux et aller combattre et vaincre. Les princes sont les enfants de Dieu, mais qui malheureusement sont à terre. Et quand on parle, on dit que c'est qu'ils sont à terre, ça veut dire qu'ils sont vaincus par Satan. La terre, c'est quoi? La terre, quand on dit la terre, on parle du monde. Le monde, ils sont à terre. Ils sont vaincus par le monde. Ils sont à terre. Le monde a eu du pouvoir sur eux. Le prince de ce monde a eu du pouvoir sur eux. C'est bon, dit affectionnez vos choses d'en haut. Être un cheval, c'est être en haut. Être à terre, c'est être vaincu. Genèse 3:14. Genèse chapitre 3, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours. La poussière se trouve où? Au ciel ou à la terre? Donc c'est pas ancien qui a été maudit pour être à terre, lui et son armée. Ou bien, pourquoi maintenant c'est nous les princes, les enfants de Dieu, qui sommes à terre? Parce que avant, par l'ignorance et par le péché, nous avons livré notre vigueur à Satan et son armée. Et Satan maintenant nous a rendus à terre. Mais nous, on n'est pas dedans. Cela signifie que nous ne sommes pas vaincus par le péché. Si le péché domine sur nous, nous sommes ainsi comme des esclaves qui marchent à terre. Les princes qui marchent à terre comme des esclaves. Or, la volonté de Dieu est que nous soyons des princes sur des chevaux pour dominer sur la terre, pour marcher. Triompher sur le monde. Or, c'est le sort de Satan. Donc, cela veut dire que si tu marches selon les choses du diable, si tu n'as pas l'autorité de la parole, le pouvoir spirituel de la parole, tu as le même sort que Satan. Tu as été livré pour la terre. Tu as été livré pour la perdition. C'est ici que toi, mais tu seras livré au même sort que lui. Si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'as pas le pouvoir de la parole, donc l'homme est ainsi devenu fils du diable. Vous venez par les paroles de Satan à cause de son péché.
comme un être spirituel qui a la foi pour parler, pour entendre. Il savait que cet homme prenne conscience. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut que cet homme prenne conscience. Si le péché a eu du pouvoir sur toi, c'est parce que tu as laissé ta vigueur au démon. C'est parce que tu t'es livré au monde des ténèbres. Maintenant, tu dois faire comment? Prendre conscience et savoir que normalement, ce n'est pas toi qui dois être à terre. Non, c'est le serpent et les principautés, les démons, les autorités de tout le monde qui doivent être à terre. Et toi en haut, en marchant avec des chevaux pour dominer sur eux. Tu n'as pas conscience. Quand c'est dans l'église, c'est ton péché. C'est l'iniquité qui t'a fait ainsi. Tu as fait en sorte que tu n'as plus le pouvoir de la parole. Tu n'as plus l'autorité de la parole. Quand le monde éternel te voit, le monde éternel ne voit pas en toi une puissance. Le monde éternel ne voit plus en toi l'autorité spirituelle. Le monde éternel ne voit plus en toi la domination. Le monde éternel ne voit plus en toi le triomphe, la victoire. Parce que tu as laissé le péché, la chair, le prêt de ce monde, le roi de Satan, dominer sur toi. Oh, c'est toi qui dois normalement, dans ton esprit, dominer sur la chair, dominer sur le monde, triompher du monde. Tu dois maintenant prendre conscience. Cette conscience, cette prise de conscience, passe par quoi? Le renoncement au péché. Renoncer au péché. Renoncer au péché. Qui t'a conduit à perdre ton pouvoir. Renoncer au péché. Qui t'a conduit à livrer ta vigueur, ta semence, ton pouvoir au démon. Au péché. Qui t'a livré à la terre. Qui t'a livré à l'enfer. Le pouvoir. Tu dois prendre conscience, renoncer à ce péché. Dis à ton frère, renoncer à ce péché. Renonce à ce péché. C'est ça le renoncement. Oui, tu as voulu sauver l'humanité. Mais ce n'est pas la prise de conscience. C'est pas la prise de conscience. Alors, ce renoncement au péché consiste à la reine du mal. La reine du mal. Tu dois haïr le mal. Si tu aimes le mal, si tu es attaché au mal, tu es fils du diable. Ah, le diable est le mal. Son nom est appelé mal. Lui, il pêche depuis le commencement. Moi, normalement, je pratique la crainte de Dieu depuis le commencement. Mais pas la séduction de Satan, pas la faiblesse. Tu as livré ton pouvoir à Satan. Alors, que faut-il faire? Détester le mal. Haïr le mal. Haïr le mal. Quand tu haïs le mal, ça n'a plus de pouvoir. Quand tu hais le mal, le diable n'a plus de pouvoir. Quand tu hais le mal, la puissance du péché diminue. Nous sommes un bonheur. Qui a compris? Alors cela ne se passe par la crainte de Dieu. Ils ont défini la crainte de Dieu comme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous consiste à offrir quoi? À obéir à ses commandements. L'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. L'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole. La foi consiste à pratiquer la parole de Dieu. Et nous vivons dans l'espérance. Donc la crainte de Dieu est obligatoire pour que le pouvoir de la parole revienne. Dis à ton frère, dis à ta soeur, la crainte de Dieu est obligatoire. Nous devons craindre Dieu. Et c'est par l'amour que la crainte de Dieu est créée. Et c'est là que nous allons récupérer le pouvoir de la parole que nous avions perdu par une vie de péché. Alors, si tu es conscient, tu as renoncé au péché, tu as
trahit le mal. Quel Dieu. Cela se passe aussi par le fait que tu plaides pour une renaissance nouvelle. Qui veut une renaissance? Qui veut une renaissance? Qui veut l'être de nouveau? Qui veut l'être de Dieu? Qui veut l'être de Dieu? Par Christ, nous avons la nouvelle naissance. Mais par cette semaine spirituelle, le Seigneur va encore nous récréer. Le Seigneur va encore nous récréer. Et quand il va nous récréer, le pouvoir que nous avons perdu, il va nous donner ce pouvoir. Nous allons récupérer ce pouvoir. Et cela se passe par la récréation. Il va nous réunir. Donc la crainte de Dieu est le chemin vers la récréation. Ce que j'ai dit là, c'est ah, c'est le talent. Ouais, donc acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Jésus. J'ai dit quoi? La récréation est le chemin vers la renaissance. La crainte de Dieu est le chemin vers la renaissance de Dieu. La crainte de Dieu est un chemin qui mène à la renaissance. La reine du mal est le chemin qui mène à la récréation. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Qui nous donne de le craindre. Qui est le sommet de la crainte de Dieu. Qui est le sommet de la reine du péché. Celui qui est le péché ne peut pas être contrôlé par le diable. Celui qui craint Dieu ne peut pas pécher. Parce que le Seigneur sait sa parole dans son cœur. Pour lui, il le craigne réellement. Proverbe 8, verset 13. Proverbe chapitre 8, verset 13. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, désormais là, ne rêve plus ton frère. La reine là, c'est pas pour ton frère. La reine ou bien la reine, c'est toi, notre frère, on doit haïr notre frère. C'est l'amour. On doit l'empêcher vis-à-vis de nos frères et de nos soeurs. Nous devons pratiquer l'amour. Mais vis-à-vis du péché, nous devons haïr le péché. Nous devons haïr le péché. Nous devons haïr le péché. C'est fini le verset? Non, non. La crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Donc, celui qui a la crainte de Dieu, il déteste l'arrogance. Il déteste l'orgueil. Il haït le mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, l'Éternel est toutes ces choses. Il est, il déteste la bouche perverse. Parce que Satan a une bouche perverse. Et c'est pas cette bouche perverse qu'il est le prince du mensonge. Qui est le père du mensonge. Et c'est pas cette bouche qui séduit les gens. Donc nous disons, pas cette prise de conscience. Par cette prise de conscience qui est le chemin vers la renaissance, le chemin vers la récréation. Cette prise de conscience qui est le chemin vers la récréation, le chemin vers la renaissance. L'homme doit maintenant rechercher Dieu. L'esprit de l'homme tout puissant est déconnecté de Dieu. Chercher Dieu, Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie. Aujourd'hui, nous allons faire comme si nous ne connaissions pas encore Dieu. Nous allons faire comme si nous n'avons pas encore reçu Dieu. Et nous allons chercher Dieu. Qui est prêt à chercher Dieu? Qui veut chercher Dieu? Qui veut trouver Dieu? Moi, je veux chercher Dieu. Plus tu cherches Dieu, il se révélera à toi. Même si tu connais partie de Dieu là, ne dis jamais j'ai fini de connaître Dieu. Non, parce que tu es grand. Dieu, nous devons
bannit l'orgueil de l'homme. Alléluia. Alors l'homme passe plus de conscience pour maintenant rechercher Dieu. Soupirer à Dieu. Soupirer intérieurement. Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oh, parole vivante de Dieu. Oh, puissance créative de Dieu. Oh, puissance d'enchantement de Dieu. Pouvoir de la parole. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma vie. Viens maintenant et détruis le péché en moi. Et reprends ta position dans mon esprit. C'est ça la prière que nous avons faite ce soir. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Donc il doit prêter à Dieu pour que Dieu le renouvelle. Et donner la place au Saint-Esprit dans sa vie. En disant à Dieu, je veux récupérer ma nature que j'ai perdue. Je veux récupérer ma divinité que j'ai perdue. Je veux récupérer la puissance que j'ai perdue. Le pouvoir spirituel que j'ai perdu. C'est cet homme. Voilà. Et l'homme doit demander la main de Dieu. Je veux ta main dans ma vie. Je veux ta parole. La parole est la main de Dieu. C'est cette parole que nous appelons l'évangile. C'est la parole qui est la main de Dieu. La parole de l'évangile est la main de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tends ta main vers moi. C'est ça, nous disons, que cette main, nous appelons cette main la bonne nouvelle de l'évangile. Esaïe, l'homme, verset 5. Esaïe chapitre 9, verset 5, je lis au nom de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est né. Notre oh, divin ami. Enfant, vous venez ici, vous mettez Esaïe, vous mettez enfant né, un fils donné, la donne, pourquoi, un autre, on va expliquer. Donc comme l'homme a soif de salut maintenant, l'homme a soif de récupérer sa position de donné, qui a soif de récupérer la position de donné, qui a soif de revenir comme Adam avant le péché, qui a soif de récupérer le pouvoir de la parole. C'est par cette foi que tu as donné son fils. Ainsi tu as reçu la prière des hommes. Parce que premièrement la parole était comme un verbe. Cette puissance créatrice n'avait pas un corps physique qu'on peut toucher. Cette puissance créatrice qui est la parole était spirituelle. C'était un pouvoir spirituel. Cette puissance n'était pas encore manifestée. Alors, Dieu dit, je les ai créés par ma parole. Ils n'ont pas vu ma manifestation en chair dans un corps. Peut-être que c'est à cause de ça, ou bien leur foi n'avait pas été boostée. Ce que je vais faire maintenant, je ne vais plus les parler par la parole spirituelle. Seulement, moi-même qui ai la parole, moi-même qui ai le pouvoir, je vais entrer dans un corps comme eux. Je vais devenir semblable à eux. Puisque c'est de la chair qu'ils ont péché. Je vais participer aussi à la même chose. Je vais souffrir la même souffrance qu'ils souffrent. Je vais vivre la même souffrance. Et là, je vais leur montrer qu'ils ont la capacité d'exercer le pouvoir spirituel de la parole dans ce corps. Si Jésus l'a fait, tu es capable de le faire. Esaïe dans ses dos. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Alléluia.
Voilà le verset phare qui parle du processus par lequel l'homme va récupérer sa position. Ici, l'enfant et le fils qui naîtra parle d'un processus spirituel par lequel l'homme pourra récupérer sa nature sainte, sa nature de vainqueur, sa nature de dôme, sa fonction de dominateur qu'il a perdu par le péché. Cela veut dire que alors, un enfant nous aime. Un enfant nous aime, oui. Un fils nous est donné. La domination retourne sur le pont. On l'appellera admirable conseiller, près de Père, Dieu tout puissant. C'est ainsi que moi qui prends conscience, qui reçoit, qui manifeste la crainte de Dieu, je dis Seigneur, je dois me repentir. Je veux changer de vie. Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus laisser le péché dominer ma vie. Alors, Dieu exauce ma prière. Et lorsqu'il exauce ma prière, il donne Jésus comme le type de ma nouvelle vie. Nous ne disons pas là, dans la révélation, que Jésus est le type de notre nouvelle vie. Jésus est le type de ma nouvelle vie. Jésus est le type de ma nouvelle vie. Jésus est l'image de ma nouvelle vie. De même que Jésus, lorsque Dieu s'est manifesté en chair, Jésus est un enfant né. Moi aussi, par la parole, je deviendrai un enfant né par Dieu, comme Jésus. Qui a compris? Papa a compris. De la même manière que Jésus est un enfant né, moi aussi, qui était perdu, qui était mort spirituellement, qui me ressuscite. Et je deviens moi aussi un nouveau enfant, un nouvel enfant, un nouveau né. Donc en Jésus, pour récupérer mon pouvoir, Dieu me, ça dit, va me créer à nouveau. Je deviens un nouveau né. Par ce semaine spirituel, nous allons devenir des nouveaux nés. Même ce soir, par ces paroles, tu deviens un nouveau né. Et les choses anciennes sont passées. Ton péché passé est passé. Ton péché passé est passé. Aujourd'hui, tout chose devient nouvel. Tu vas vivre des nouvelles choses. Tu vas vivre une intimité avec Jésus. Ça ne t'a perdu pas le passé. Donc, c'est les étapes. Numéro 1. Enfant né, nouveau né. Jésus est le type, et que lui, quelqu'un qui maîtrise, qui suit bien. Jésus est le type de tous les Jésus est le type de la nouvelle vie. Jésus est le type de la nouvelle vie en Christ. Tu mets, de même que Jésus a été un enfant né, nous aussi, nous deviendrons des enfants nés. Des enfants nés de nouveau. Ainsi les choses anciennes passent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Parce qu'un nouveau né oublie sa vie passée. Un nouveau né n'a plus dominé par ce péché ancien. Ou bien, si tu règles le mal, tu mets le mal de côté. Tu détruis la puissance du mal. Et maintenant, Dieu te donne la récréation. Gloire à Jésus. Donc, la première étape de ce processus, c'est quoi? Il dit 1. C'est que nous deviendrons en Jésus de nouveau. Non, nous deviendrons en Christ par Jésus de nouveau né. De même que Jésus était un enfant né. Un enfant nous est. Mais non, moi aussi je suis cet enfant qui est né. Aujourd'hui, tu es ce nouveau enfant né. Dis, je suis l'enfant né aujourd'hui. L'enfant né, c'est l'enfant qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est la parole créatrice qui te permet de devenir une nouvelle personne. Et si nous disons encore dans la révélation, est-ce que vous avez écrit que Jésus est le titre de la nouvelle création en Christ? De même que vous mettez un, vous mettez le moi. Prochainement, écrivez tout par le 16 et pas le moi.
Mais comme vous allez commencer par le rouge, vous finissez. De même que Jésus a été un enfant né, nous aussi devenons des enfants nés en Christ par le pouvoir de la parole. Vous mettez Esaïe 9:5 ici encore. Les enfants nés, en parenthèse, Esaïe 9:5. Les enfants nés par le pouvoir de la parole. En Christ, par le pouvoir de la parole. En parenthèse, Esaïe 9:5. Alléluia. Amen. Hein, après un enfant nous a donné, qu'est-ce que c'est? Un fils nous a donné. On a mis nous tout vie. L'enfant est né par la parole. Par la foi de la parole. Mais le fils est donné par l'esprit. Le fils est donné par l'esprit. Cela veut dire que, oui, pour que tu récupères ton pouvoir, tu deviens, c'est par la foi. Tu deviens une nouvelle créature par la foi. En Jésus. Quand tu deviens cette nouvelle créature, le Saint-Esprit, le Christ te donnera le Saint-Esprit. Pour que tu ne sois plus seulement enfant, mais que tu sois fils. Parce que Jésus est d'abord enfant avant d'être fils. Parce qu'il est né selon la chair. Mais en esprit. Il est déclaré fils de Dieu dans l'eau de baptême. Jean disait celui-ci, celui sur qui l'esprit de Dieu est descendu. En réalité, c'est lui le fils de Dieu. C'est en ce temps qu'il est devenu fils de Dieu. Alors, il est d'abord enfant né selon l'esprit par Marie. Dans le vivant de Marie, avant d'être fils de Dieu dans l'eau de baptême. Pas le baptême du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Vous avez écrit pour le Fils. Ah, vous n'écrivez pas. De même que Jésus est le Fils. De même que Jésus, l'enfant, est devenu Fils. Moi aussi, qui suis enfant par la parole, qui suis un enfant né, un nouveau né, enfant, un enfant nouveau né par la parole, je deviens aussi un fils par l'esprit. Alors, si je suis enfant, est-ce que je deviens fils? Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est la vie du fils? Qu'est-ce que le fils fait? Après ça, hein? Quel est le comportement, la fonction des fils? Non, lisez le verset. Et la domination reposera. Car un enfant nous est né. Donc tu es un enfant nouveau né. Par la parole de Dieu. Un fils nous a donné. Un fils a été donné par le Saint-Esprit. Et c'est toi ce fils. C'est moi ce fils. Et la domination reposera sur son épaule. Cela veut dire que la domination que nous avions perdue par le péché, par la puissance créatrice de la parole, il nous donne de devenir enfant. Ce n'est pas fini. Après enfant, on devient fils. Mais quand on devient fils, dans cette domination qu'on a perdue, l'esprit dit, Jésus a fait de moi un enfant. Par la parole, je suis un enfant de Dieu. Mais par le Saint-Esprit, je suis un fils de Dieu. Par la parole, je suis un enfant de Dieu. Mais par le Saint-Esprit, je suis devenu un fils de Dieu. Maintenant, je domine parce que la domination repose sur mon épaule. À partir d'aujourd'hui, par ma nouvelle essence, par mon autorité, par le pouvoir spirituel de la parole. Acclame Jésus. C'est ça la proclamation de foi. C'est ça qu'on appelle les paroles de foi. Si tu as ces paroles dans la bouche, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Nous voulons regarder où c'est le Dieu.
C'est bon? Vous êtes qui pour la domination? Et pour domination, qui veut quand je parle au fur et à mesure, ne m'attendez pas à l'autre en même temps. Alléluia. Amen. Donc, il a fait de moi enfant et fils. Sur le péché, sur la chair, sur le monde, et que je triomphe du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Donc vous avez tout ça. Gloire à Jésus. Vous voyez comment tu as fait les choses pour que nous puissions récupérer notre identité. Michel 5.1. Michel chapitre 5, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est la même manière que toi aussi tu étais, ton origine remonte aux temps anciens. Ton origine remonte au jour de l'éternité. Parce que tu as été tiré de l'éternité. Alors tu appelles aussi à dominer sur le monde. Jésus, lui, l'avait dominé physiquement en Israël. Mais il a dit que la puissance de Dieu sera répandue sur les disciples. Et eux, ils ont dominé sur les extrémités de la terre. C'est ainsi nous aussi, nous avons le pouvoir de dominer dans tout. Le pouvoir spirituel de la parole. Alors, domination, c'est pas fini. Après domination, il y a encore quoi? Admirable conseiller. Admirable. C'est quelqu'un qui mérite l'admiration. C'est un victorieux. C'est comme un héros victorieux qui est glorieux, qui est admirablement élevé. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Donc toi aussi tu es un Dieu puissant. Mais vous ne croyez pas ça. Parce que l'Écriture dit, vous êtes des dieux. Vous marchez comme un presque homme. Donc tu mets Jésus, le Fils, le Christ, ou Jésus-Christ, Dieu puissant. Tu mets admirable. Admirable. Est égal à héros, vainqueur, triomphateur, conquérant. Glorieux. Ça c'est l'admirable. Il est vainqueur, triomphateur, dominateur, assujettisseur, conquérant, glorieux. Fier de la bravoure. Maintenant, après admirable, laissez conseiller. Oui, on va reviendra à ce niveau ailleurs. Laissez conseiller. Voilà, mettez Dieu puissant maintenant. Dieu puissant. Et regarde, donc moi aussi je suis un Dieu puissant. Parce que je suis né de Dieu. Dieu vous a dit qu'un fils apporte le nom de famille de son père. Un fils hérite l'autorité de son père. C'est ça que j'ai dit. Donc comme lui-même est Dieu puissant, moi aussi je suis un Dieu puissant pour triompher du. Pour triompher du mal et du monde. Après Dieu puissant, Père éternel. Et toi, non, ne le dis pas. Merci, Père éternel. Prince de la paix. Donc, c'est moi le prince de la paix. Donc, c'est moi le prince qui doit être sur les cheveux pour dominer. Or, nous sommes Jésus en train d'annuler l'équation. L'équation qui disait. Les esclaves marchent les chevaux et les princes à terre. Par la venue de Jésus, il a annulé cette équation. Et si nous disons, cela ne sera plus les esclaves sur les chevaux,
les prince à terre. Nous les princes qui sommes appelés à dominer sur le péché, dominer sur la chair, dominer sur Satan. Alors c'est nous maintenant les princes sur les chevaux et nous allons à la guerre. Ils sont victorieux avant le combat. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'équation était résolue. L'équation a changé de. Comment on appelle ça de. Les mathématiciens sont où? Au signe. De signe, voilà. C'était plus. C'était moins avant plus. Maintenant c'est plus. Ce n'est plus moins. À travers Jésus. Photo. Photo. Déjà. Avec ça. Pour que c'est clair. Prenez les photos. Parce qu'on va piller tout. Ça peut vous envoyer aussi. C'est bon. Vous pouvez. Gloire à Jésus. Continuons. Somme Romains 8, 19. Voilà. Romains 8, verset 19. Romains chapitre 8. Le verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ça la puissance, c'est la puissance qui attire la parole. Et dans l'autorité de la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Mais si pas la venue du Fils, la repentance devient une obligation par laquelle l'homme pourra récupérer son identité par la grâce du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette repentance doit être l'objet de la première prédication de Jésus. Lorsque l'enfant est né, lorsque l'enfant est devenu fils, voici la première prédication qu'il a faite. Pour pouvoir amener l'homme perdu par la langue perverse du malin, de redevenir enfant et fils pour triompher et dominer. Oui, Matthieu 4, 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est la première prédication. Repentez-vous. Pourquoi? Parce que la repentance, c'est un changement de pensée. Ou bien? C'est un changement de pensée. La repentance, c'est un changement de manière. La repentance, c'est un renoncement de vie. La repentance, c'est un changement de comportement. Si lui vient et va à la croix sans prêcher la repentance, l'homme qui a perdu l'autorité pensera récupérer cette autorité par sa vie de péché. Si tu vis dans le péché, que tu ne te confies pas la grâce de Dieu pour te sauver, tu ne peux pas récupérer le pouvoir de la parole. C'est pourquoi aujourd'hui la grâce de Dieu est manifestée pour nous libérer de l'emprise du péché. Pas pour nous condamner, mais pour nous libérer du péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi nous disons aussi que cette repentance ne peut être possible que par la prédication de la foi. Il n'y a pas de prédication. C'est la uniquement la prédication de la foi qui sauve le pécheur. C'est la prédication de la foi qui sauve le pécheur. Il n'y a aucune prédication qui sauve si ce n'est pas la foi. C'est la prédication de la foi. Est-ce que vous comprenez? La prédication de la foi, c'est quoi?
Quand il répondait vous là, ce n'est pas une chose que croyez en Jésus. C'est-à-dire, quand il te dit répands-toi, le Seigneur te dit reçois la parole de Jésus en toi. Pour que cette parole change ta pensée de foi. Pour que cette parole de Dieu transforme ta pensée, te renouvelle, pour que tu sois un nouveau, un fils de Dieu. Acclame Jésus. Tout comprend. C'est pourquoi il n'y a pas autant de prédication que la prédication de la foi. La prédication de la foi, c'est parler pour Jésus. Présenter Jésus. Je préfère présenter celui qui a le pouvoir. Je préfère présenter celui qui est le pouvoir de la parole. Je préfère présenter celui qui a le pouvoir. Il est le pouvoir et il a le pouvoir de la parole. Quand je prêche celui qui a le pouvoir et qui a le pouvoir, je te donne à toi la puissance, l'autorité de, c'est-à-dire de vaincre le péché. Et c'est lui maintenant qui est ce pouvoir spirituel qui chargera ton cœur, qui enlevera le péché de ton cœur et mettra sa parole. Il va enlever le péché et déposer sa parole. C'est ça la prédication de la foi. C'est Jésus qui est la repentance. Quand vous croyez en Jésus, la parole de Dieu vous donne l'esprit de repentance. En même temps, il change votre mentalité. Est-ce que tu as la parole de Dieu? As-tu la parole de Dieu? Ta réponse me dira si tu t'es repenti ou pas. As-tu la parole de Dieu? Je n'ai même pas de dire que vous avez la parole de Dieu. Mais on est là-bas. Je réponds. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es pas en Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est ça la repentance. As-tu la parole de Dieu? Je vais attendre au doublement. As-tu la parole de Dieu? Si tu as la parole de Dieu, elle te donne le pouvoir de te repentir. De changer. Beaucoup de peines de repentance parce que la parole de Dieu n'habite pas dans leur cœur. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur vie. Jésus n'habite pas dans leur cœur. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. S'ils ont Jésus, Jésus leur donne le pouvoir spirituel de la récréation. Alléluia. Alléluia. Romains 10, 8. Tu lis Romains 10, 8, Romains 10, 9 et Romains 10, 17. Romains chapitre 10, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ah! Qu'est-ce que nous prêchons? La parole de la foi. Donc, quand tu entends la parole de la foi, dit quoi? Jésus est près de ton cœur. La parole est près de ton cœur. Reçois Jésus qui est la vie. Reçois Jésus qui est la parole. Reçois Jésus qui est la lumière. Reçois Jésus qui est le pouvoir créateur. Reçois Jésus qui est la puissance créatrice. Cette puissance est auprès de ton cœur. Reçois le confesse de ta bouche. Ton cœur. Et tu seras sauvé. C'est ça l'évangile. Quand tu reçois cette parole, elle crée en toi la repentance, le changement de caractère. C'est ça la prédication de la foi qui commence à créer en toi le pouvoir spirituel de la parole. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Ouais, crois. Tu es ici, la parole existe. Crois. Tu vas confesser et crois. C'est pourquoi je vous fais confesser des paroles pour vous. Pour que ces paroles soient des paroles de foi dans vos cœurs. En faisant cela, je vous donne la prédication de la foi qui doit être dans vos cœurs. Quand dans vos cœurs, la peur disparaît. La peur de l'enfer disparaît. Parce que cette prédication de la foi dit que ne crois plus à ton cœur. Que quelqu'un ira au ciel. Non, qui ira au ciel, qui ira en enfer.
Non, lisez, c'est au-dessus, lisez, mais on va vous expliquer quelque chose. Quand la porte de la foi vient là, tu sais que quand tu es à Jésus, tu te répands, tu vis de cet été, tu iras. Tu crois que en Christ, tu n'iras pas en enfer. En Christ, quand on dit souvent que deux personnes sont allées au ciel, et tu as peur. Marie t'a vu ici, toi là. Tu ne peux pas être encore disqualifié. Mais qui ira au ciel? Où est? Qui pose la question souvent? Qui te dit qui ira au ciel? Qui ira en enfer? Qui t'en compte ira au ciel? Quand tu entends la parole, tu dis que personne ira au ciel. Mais en Jésus, nous irons au ciel. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la Bible que vous gardez qui vous dit cela. Désormais, voyez ce que nous allons pratiquer. Pour éviter d'être esclave du péché. Plus tu as peur, plus tu as peur, tu es esclave du péché. Qui a compris? Parce que tu redoutes t'arrives. Si tu as peur là, tu iras. C'est maintenant même que tu iras à l'enfer même. Parce que l'enfer dont tu as peur là. Quand tu as peur de ça, tu iras. On dit qu'on te donne le pouvoir que le sang des morts ne peut pas dominer sur toi. Et tu as peur de Dieu. Et la crainte de Dieu te pousse à railler le péché. Le reste là, tu railles le péché, tu n'iras pas à l'enfer. Parce que dans la sainte doctrine, si tu gardes ta foi en Jésus, tu n'iras pas à l'enfer. Lisez l'écriture. Les pensées, tout ce qui était à vous, vont sortir à partir de Jésus. Mais voici comment, voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi. Notez, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Dis ça en ton cœur là. Le mal que tu redoutes va t'arriver. À partir d'aujourd'hui, la scène dont tu te dis, ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel? Qui montera au ciel? Qui ira au ciel? Qui te dit ça souvent? Qui ira au ciel? Où bien? Où bien? Et ça tue en toi la peur. Ça ne tue pas en toi l'amour de Dieu. Oui, la crainte. Plus tu as peur, et le péché que tu dont tu as peur là, tu le fais encore. Nous toi et le point. Et tu dis, mais. Mais c'est quoi? Ce n'est pas la crainte de Dieu, tu as la peur de la peur de la mort. Ceux qui ont peur de la mort, je vais te dire, la mort de pouvoir sur eux. Ceux qui ont peur de l'enfer, l'enfer de pouvoir sur eux. Ceux qui ont peur du diable, des démons, ceux qui ne parlent que des démons, les démons ont le pouvoir sur eux. Voici comment parle la sainte doctrine de la justice sur la foi. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas ton cœur. Qui montera au ciel? Qui ira au ciel? Qui montera au ciel? C'est enfin descendre Christ. C'est enfin descendre Christ. Où? Qui a déjà quitté l'enfer? Ça dit qui a déjà quitté le séjour des morts? Il est allé au ciel. Donc si je crois en Christ, j'espère qu'il va m'amener moi aussi au ciel. Donc si il commence à dire mais qui ira au ciel? Qui ira au ciel? Si tu es en train de descendre Christ en c'est maintenant que tu es en train de faire un péché. C'est en train de tu pêches même contre Jésus. Oh, Jésus, lui est au ciel. Tu parles comme si Jésus n'est pas au ciel. Oh, il est au ciel déjà. Et tu dis, même qui ira au ciel là? Quelqu'un n'est pas au ciel? Si tu te poses la question, qui ira au ciel? Qui montera au ciel? Mais quelqu'un est monté au ciel. Qui est monté au ciel? C'est Jésus. Lorsque Jésus est monté au ciel, ça veut dire au moins quelqu'un allait au ciel. Mais pourquoi qui trouve te dit qui ira au ciel? Si Jésus est allé au ciel, moi qui crois au Seigneur Jésus, j'irai au ciel. Moi qui vis la sainte doctrine, je monterai au ciel avec Jésus. Et puis ça, quand tu veux, là nous allons montrer comment Jésus lui est allé au ciel. Et puis c'est 4. Et puis c'est chapitre 4. Non, vous avez la parole, vous le trouvez. Il a le même qui est monté.
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit. Il est dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Qui est monté en haut? Donc quand il dit qui ira au ciel, tu as pour le couper, tu as pour le combattre la prédication de la foi. Tu as pour le dire que c'est comme si quelqu'un n'est pas encore allé au ciel. Donc ça veut dire que Jésus n'y a pas d'espérance. Nous allons dans le vide parce que quelqu'un n'est pas encore allé au ciel. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Hein. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Oh, que signifie? Que signifie? Il est monté. Il est monté. Jésus est monté. Sinon, qui est aussi descendu? C'est le même qui est monté. Hein? Dans les régions inférieures de la terre. Hein? Celui qui est descendu. Quand il est descendu de l'océan de mort, on ne dit pas qu'il est resté. Il n'est pas resté dans le ciel de mort. C'est le même, celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Acclame Jésus. Jésus l'a fait. Le tout est ton cœur. Qui montera au ciel? C'est en fait descendre Christ. C'est en disant ça que tu pêches contre ta foi. Jésus lui est monté. Je crois que si je suis un Jésus, si je vis dans la parole, si je bénis, si je ne répands pas, j'irai aussi avec Jésus. Donc il sait que nous irons au ciel. Si nous sommes dans la foi, nous obéissons à la parole. C'est des choses qui créent le tout dans vous. Quand vous écoutez des faux témoignages, ou bien des témoignages qui font peur à la chair, qui ne sont pas l'esprit. Quand vous écoutez, vous-même, vous n'avez plus l'assurance de vos âmes. Les témoignages, il y a beaucoup qui sont vrais. Mais encore, il y a beaucoup qui sont encore faux. Alors, pour ne plus être influencé, je préfère bâtir ma foi sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ceci, ça c'est conforme à la parole. Ceci n'est pas conforme à la parole. Un témoin qui va te mettre en doute. Qui va mettre ton salut en doute. Qui va mettre ton salut en doute. Pas la prédication de la foi. La prédication de la chair. C'est la prédication du péché. Voici ce que parle la prédication de la foi. Quelle est l'autorité du croyant? Quel est le pouvoir spirituel? Mais voici comment parle la justice. Qui vient pour toi. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel. Qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. C'est en faire descendre Christ dans le séjour. Où Jésus a quitté. Toi, tu fais des mots. Descends Jésus. Tu commets le péché quand tu poses cette question. Moi, j'irai au ciel. Si les gens ne savent que toi, tu iras au ciel. Pourquoi tu vas encore poser cette question? Ou bien tu ne sais pas si tu iras au ciel. Tu iras au ciel ou non? Acclame Jésus, acclame Jésus. Où qui descendra dans la Bible? Non, ne dis plus qui descendra en enfer. La Bible, c'est l'enfer. C'est la prison qui garde les gens en captivité aujourd'hui. Ne dis plus, c'est pas toi qui te dis qui ira. Non, ne dis plus qui descendra dans la Bible. Ça, toute ta foi. Qui descendra dans la Bible? Ah, c'est toi qui. 20 personnes vont dans la Bible aujourd'hui. Et tu as peur. Mais là, si les hommes font dans la Bible là, est-ce que moi je ne suis pas en conformité avec la parole? Si moi je m'éveille à la parole, dans la Bible, mais pourquoi? Quand j'entends que 10 personnes vont dans la Bible, moi j'ai peur parce que c'est comme si moi aussi je pêche comme eux. Mais tu pêches encore. Si tu pêches encore, c'est la repentance, c'est l'heure de la repentance. C'est ça que nous avons enseigné. La prise de ton silence. À la source de ton salut. Pourquoi la peur? On dit, ne dis plus en ton cœur. Qui ira dans la vie? Qui ira dans l'enfer? Combien iront l'enfer là? Ça ne te concerne pas. Combien iront au ciel? Ça ne te concerne pas. La Bible nous montre que ceux qui croient en Jésus iront au ciel. C'est les paroles de la foi qui vont vous booster votre foi. Qui vont vous transformer et vous allez voir que maintenant, vous aurez la facilité de pratiquer la sainteté avec assurance. Hein, c'est bon?
ou qui descendra dans l'abîme. Qui descendra dans l'abîme. C'est pour remonter Christ d'entre les morts. C'est pour remonter Christ d'entre les morts. Christ a dit, allez, t'as le ciel de mort. Il a retiré. Le même Jésus qui a le pouvoir de nous délivrer du péché. Combien? C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le pouvoir spirituel. Désormais, la clé de Dieu sera ton seul homme boussole. Ton seul appui, ou bien? Et la peur des hommes, la peur du mal, la peur de l'enfer disparaîtra à toujours. Et là tu auras le pouvoir de triompher sur le monde. Acclame Jésus. Et tu mets habile en panthère en fer. Ciel, tu mets tous, tous à part. Gloire à Jésus. Qui comprend le verset? Avant, est-ce que tu comprenais? Hein? Acclame Jésus encore. Gloire à Jésus. Romains 10, 17. 19 et 10, 17. Romains 19, je lis au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 17. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends une mauvaise parole, ta foi sera mise en doute. Parce que la foi, là, ça ne vient pas d'une autre parole. Ça vient de la prédication de Christ. Là, c'est une doctrine. Quand tu entends une autre parole, ça mettra en doute ta foi. Qui a compris? Alors nous disons que cette parole de foi, cette prédication de la foi, est la semence qui suscite en nous la repentance authentique, l'assurance du salut, la nouvelle essence d'en haut. C'est cette parole qui est le moyen par lequel l'homme qui avait reçu la semence du péché par le mensonge du diable sera renouvelé, sera changé, sera régénéré pour redevenir fils du très haut, pour redevenir prince de paix, pour redevenir dominateur, pour devenir triomphateur, pour redevenir autorité spirituelle. Alléluia. Ainsi l'homme peut être régénéré pour devenir un nouvel homme, une nouvelle créature. C'est ce qu'on appelle la récréation. Ainsi nous disons que cette parole qu'on attend est la semence de Dieu. Cette parole qu'on entend est la semence de Dieu. Il y a une force créatrice, un pouvoir créateur qui permet à l'homme d'influencer, de vaincre le péché, d'influencer le monde. Ce n'est pas un monde de défluencer. Ce n'est pas un péché de défluencer. Dieu a parlé d'aujourd'hui. C'est à moi d'influencer le monde. C'est à moi de dominer sur le péché. C'est à moi de vaincre les œuvres de la chair. C'est à moi de triompher du monde. C'est à moi d'assujettir. Parce qu'à présent, j'ai été engendré, je suis engendré par la parole. Être enfant de Dieu, c'est devenir de recevoir le pouvoir. Le même pouvoir qu'on avait pour Dieu. Tu vas recevoir ce que tu ressens cela déjà. Gloire à Jésus. Naître de nouveau par la parole. Tu es esprit, la parole aussi esprit. Afin de recevoir le pouvoir perdu par les fleurs de Satan. Jean 1, verset 11 à 12. Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Je lis au nom de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, écoutez très bien. Amen. C'est la lumière qui est la parole. C'est la porte qui est la lumière. Les ne l'ont pas reçu. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. Ceux qui ont reçu la parole. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en la parole. Quel est le nom de la parole? Jésus. Donc à ceux qui reçoivent la prédication de la foi. La prédication de la parole, de la sainte doctrine. À ceux qui croient en la parole. Qui est Jésus? Elle a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir. La parole est un pouvoir. Dis la parole est un pouvoir. Parce que je crois en Jésus. La parole m'a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Qui comprend cela? Le pouvoir que tu as perdu là. La parole va te redonner cela. C'est simple. Tu as bien écouté aujourd'hui. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. C'est maître de Dieu. Je parle pour voir spirituel de la parole. Et très comment donc, tu as de recevoir ce pouvoir. Du fait que ça, je reçois ce pouvoir. Je reçois ce pouvoir. Je reçois ce pouvoir. Je reçois ce pouvoir. Et je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Est-ce que tu seras à terre en train de répéter ces paroles? Lève-toi, 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 lève-toi. Les présents debout. Lève-toi. Je reçois la parole. Je reçois ce pouvoir de la parole. Je reçois ce pouvoir. Je reçois ce pouvoir. Je reçois ce pouvoir qui change ma vie, qui me requiert à nouveau, qui m'agente à nouveau, qui fait de moi une nouvelle personne, un image de Dieu, qui me redonne le pouvoir que j'ai perdu par le péché, par ma répétence. Je reçois ce pouvoir, je récupère ce pouvoir et je triomphe du monde par ce pouvoir spirituel au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Nani. 1 Pierre 1, verset 22 à 23. 1 Pierre 1, verset 22 à 23. Peut-être que tu vas prendre ton temps pour que tu blaves. Vous voyez que nous sommes en train de nous prier pendant la prédication. Ou bien, qui a remarqué que nous sommes déjà en train de prier? Qui a un esprit de prière? Pendant qu'il écoute le message. Tu n'es pas en esprit de prière. Mais tu n'es pas avec nous. Si tu es avec nous, tu as un esprit de prière. Parce que tu répètes en même temps. Qui a un esprit de prière? C'est ça la prière. C'est la parole. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une loi. C'est la loi du recevoir et du donner. Du donner ou du recevoir. Dieu te donne sa parole. Toi, tu lui transmets la parole qui te donne. Tu lui transmets à nouveau. Tu reçois la parole que tu donnes à Dieu. Quand tu reçois la semence, il t'en sait. La semence que toi tu reçois, tu es la tête qui reçoit la semence. En recevant, toi tu deviens la tête. La semence devient la parole. En donnant à Dieu, Dieu devient la terre. Toi tu deviens la semence. La parole que tu donnes est la prière. Cette prière est la semence que tu donnes à Dieu. C'est ça la prière. C'est pourquoi il vous dit qu'on priez, vous ne comprenez pas. C'est ça la prière. Il y a la prière. C'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22 à 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Oui, obéissant à la vérité. Vous êtes en train d'obéir à la vérité comme ça. Pour avoir un amour fraternel sincère. Ainsi qu'il y a vous un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible. Ce n'est pas une semence corruptible que vous êtes régénérés. La semence corruptible n'a pas de pouvoir spirituel de Dieu. La semence corruptible, c'est le mensonge. C'est cette semence que le diable a utilisé pour corrompre
les anges et comprend Adam, Ève et Adam. Ce n'est pas parce que nous sommes régénérés. C'est pourquoi il a d'abord purifié le sang par la repentance. C'est par la parole, la prédication de la foi. Puisque vous avez été régénéré, recueillé, renouvelé, réengendré, né de nouveau, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Mais pas une semence incorruptible. Comment on appelle cette semence incorruptible? La parole de Dieu. C'est ça que la vérité. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ça le pouvoir spirit. Tu es qui triomphe tout le monde. C'est la parole de Dieu qui triomphe tout le monde. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas triompher du monde. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas triompher du monde. Par la parole vivante et permanente. Par la parole vivante. Et il n'y a que la peau. Pour voir, la parole vivante est égale. Il n'y a que la peau là. Parole vivante, pouvoir spirituel. Il n'y a que la peau là pour comprendre nous sommes. Par la parole vivante. La parole vivante et permanente. Un pouvoir spirituel. C'est cette parole qu'on appelle la parole permanente. Si tu as la parole de Dieu dans ta vie sera permanentement basée sur la sainte doctrine. Tu vivras toujours par la sainte doctrine. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi David dit bien, c'est David. C'est ta somme. C'est ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher. Afin de ne pas pécher en toi. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Tu ne pécheras pas contre toi. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole est vivante et permanente. C'est fini? Oui. Ok. C'est ça. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, écrit, ce n'est pas la parole créatrice que nous sommes à de nouveau. Que nous sommes régénérés. Ce n'est pas la parole créatrice que nous sommes régénérés. Que nous sommes engendrés de nouveau. Pour exercer le pouvoir spirituel que nous avions perdu par le péché. Jacques 1, 18. Jacques chapitre 1, verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendré. Qui nous a engendré? Qui? Le Père nous a engendré selon sa volonté. Par Jésus. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Dans la parole de vérité. Donc écrivez parole de vérité. Équivalence comme l'autre. Pouvoir spirituel. Triomphe du monde. Donc ils n'engendraient pas la parole de la vérité. Afin que nous soyons En quelque sorte Les prémices de ces créatures. Quand on dit les prémices de ces créatures, nous avons les anges aussi. Mais en réalité la volonté de Dieu est que ce ne soient pas les anges déchus qui soient les prémices de la création. Les anges vaincus, les anges déchus ne sont pas les prémices. C'est nous qui sommes créé à l'image de Dieu, parfait, pour exercer le pouvoir de Dieu. Esprit, âme et corps, nous sommes en esprit depuis l'éternité, les prémices de la création. Et par le péché, on a été renversé. Cette loi a été renversée. On était comme ça, le diable était comme ça. Il a déstabilisé comme ça. Il a pris notre position. Et par l'œuvre de la croix, ça a changé. Et par la régénération, nous retenons comme ça. Nous retenons les prémices de la création. Le diable est soumis à l'oubli. C'est ça le pouvoir spirituel. C'est fini? Oui. Ok. 1 Jean 5, 1. Jean chapitre 5, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Alors, voilà la condition pour être né de Dieu. Quiconque croit.
Il faut seulement croire que Jésus est le Christ. Et il crée un peu la repentance. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu devient enfant de Dieu. Celui qui est né de Dieu devient la parole vivante de Dieu. La parole permanente de Dieu. Celui qui est né de Dieu reçoit la parole de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu. Il devient lui-même un esprit. Il a reçu, il reçoit cette vie. Il a, après avoir reçu, après avoir qu'il reçoit, il reçoit la parole vivante de Dieu. Il reçoit la parole permanente. Il reçoit la parole vivante de Dieu. Il reçoit la parole permanente de Dieu. En plus de ça, il devient un esprit, la parole vivante de Dieu. Un esprit, la parole permanente de Dieu. Tu as compris? Ok. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est le Christ? Oui. Tu n'es pas né de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est le Christ? Tu es né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Quiconque aime, qui est celui qui a engendré le Fils? C'est le Père. Quiconque aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Aime aussi le Fils. Ainsi, il est aussi lui-même né de Dieu. Par la foi. Et c'est cette foi qui triomphe du monde. 1 Jean 5, verset 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu, par cet enseignement, par la parole vivante de Dieu. Nous triomphons du monde. Et quoi? Et la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est la foi qui triomphe du monde. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi. Maintenant, par la parole, tu reçois la foi. C'est cette foi qui bannit la peur. C'est cette foi qui met la crainte de Dieu et détruit la peur. Et détruit les mots, les questions qui iront au ciel, qui iront à la fin. Cette question disparaît. Maintenant, par cette foi, tu as l'assurance de ton salut. Tu sais maintenant qu'en Jésus, tu n'es pas perdu. Tu es sur le chemin qui mène au ciel. Par ta repentance, tu es sur le chemin vers la récréation. Par la récréation, tu deviens l'image de Dieu. Tu deviens la puissance de Jésus sur la terre. Tu deviens la victoire de Jésus. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui? C'est Jésus-Christ. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils celui de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Tu as triomphé du monde. C'est cette foi qui triomphe du monde. Alors, comme nous savons maintenant que nous triomphons du monde, nous allons changer la forme. Nous allons changer la phrase. De son nom 42:6 à 7. Vous comprenez, non? Au lieu de répéter, on va modifier. Vous comprenez? Somme 82, verset 6 à 7. Somme 82, verset 6 à 7. Je dis non. J'avais dit, vous êtes le Dieu. Je dis. Je vous dis. Tu es le Dieu. Donc, tu modifies en même temps. Et je répète ça. Je vous dis. Vous êtes le Dieu. Vous êtes le Dieu. Amen. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils de Dieu. Maintenant. Par conséquent. Vous vivez comme des prisons de paix. Tu changes la phrase.
Et on, c'est la parole, on cherche à même faire les choses, on remplace. On fait des analogies, des remplacements. Non, oui. Je vous dis, mon ami, vous êtes les dieux. Vous êtes les dieux. Amen. Amen. C'est la fierté. C'est la foi. Ça, c'est un grand procès. Comme ça. Amen. Oui. Vous êtes tous des fils de Dieu. Et tous des fils de Dieu. Par conséquent, maintenant. Par conséquent, maintenant. Vous vivrez. Vous vivrez. Comme. Les princes. Vous vivrez comme des princes vivants et des princes de père. Vous triompherez comme des princes sur les chevaux. Ah, vous triompherez comme des princes sur les chevaux. Lève-toi, oh Dieu. C'est bon, acclame Jésus, acclame Jésus. Mais attends-vous, je suis le pouvoir spirituel. Ecclésiastes 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ok. Ecclésiastes 10, verset 7. Je vois des princes triomphant sur leurs chevaux. Amen. Salut les princes. Et les esclaves de l'ennemi marchant sur terre dans la poussière. Dans la poussière. Maudit de la poussière. Nous sommes maudits de la poussière. Nous nous triomphons sur les chevaux. Parce que Jésus aussi est un triomphateur. Il va avec un vainqueur. Voilà la Sainte-Doctrine. Qui est content d'être dans la Sainte-Doctrine? Qui est content, caméra va montrer, qui est content d'être dans la Sainte-Doctrine? Qui est heureux d'être dans la Sainte-Doctrine? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Donc, celui qui est né de Dieu a reçu la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Cette parole est le pouvoir spirituel par lequel il triomphe du monde par la foi. C'est cette pensée qui a fait de lui à nouveau une création de Dieu à l'image permanente et vivante de Dieu. Okay. Maintenant, ayant reçu la parole de Dieu, il est appelé à exercer. Quand tu as reçu la parole de Dieu maintenant là, tu es appelé à exercer la parole. Tu vas manipuler la parole, utiliser la parole, diriger la parole, orienter toutes choses par la parole, influencer le monde par la parole, diriger la somme de la terre par la parole. Job 38. Job chapitre 38. Job 38, verset 33. Job 38, verset 33, je dis au nom de Jésus. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Qui connaît les lois du ciel aujourd'hui par l'enseignement? Acclame Jésus, lève-toi. Non. Lève ta main. Dis, je prie. Donc c'est moi qui connais, je connais les lois du ciel. On te demande qui connaît, tu ne réponds pas. Cette question a besoin de réponse. L'autre conséquence, on dit qui ira au ciel, qui ira, c'est pas, on dit ne posez pas cette question, vous allez douter. Mais on vous dit, on me pose cette question, maintenant répondez. Connais-tu les lois? Connais-tu les lois du ciel? Pas la Sainte Doctrine. C'est une question facile à répondre. Pas la question. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Règne-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce que tu exerces le pouvoir de ces lois sur la terre? La semaine est de te donner pas la Sainte Doctrine. La semaine de te donner le pouvoir d'exercer ces lois sur la terre. C'est ces lois qu'on appelle la parole vivante permanente. C'est ces lois qu'on appelle les éléments spirituels, c'est-à-dire les lois spirituelles de la Sainte Doctrine. Quand tu connais ces lois,
Cette semaine, nous allons parler de cette loi. Quand tu connais cette loi, tu feras quoi? Tu exerceras le pouvoir du ciel sur la terre. C'est ça le verset. Reprends le verset pour qu'il comprenne. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Règles-tu le pouvoir du ciel sur la terre? Le pouvoir du ciel sur la terre, il faut qu'on ait les lois spirituelles et les mettre en pratique. C'est ça, nous disons que comme maintenant tu es né de Dieu, tu es appelé à exercer le pouvoir de la parole, des lois du ciel que tu as reçues sur la terre. C'est la loi, nous disons que c'est, voilà, les lois commencent. La loi du recevoir et du donner. Ayant reçu la parole de Dieu, notez la loi du recevoir, notez Job 38, verset 33. Les lois du ciel. Nous devons connaître les lois du ciel et régler leur pouvoir sur la terre, par la sainte doctrine. Nous devons connaître les lois du ciel, en parenthèse, parole de Dieu, les lois spirituelles et régler leur pouvoir sur la terre, par la sainte doctrine. Hein? Je disais que il y a la loi, les lois commencées, la loi du recevoir et du donner. Ayant reçu la parole de Dieu, l'homme né de Dieu est appelé à transmettre cette parole dans son entourage. Maintenant, on dit que tu es né de Dieu, non? C'est la parole de Dieu qui habite en toi maintenant. Donc, dans ta vie chrétienne, on doit voir que tu es la parole de Dieu. Dans ton entourage, on doit voir la parole. Dans ton entourage, tu dois ordonner aux choses. Tu es maintenant appelé à ordonner à la création de ton pays. Tu es appelé à parler à la terre. Pour que la terre écoute ta voix. Et nous allons parler de ça. Tu es appelé maintenant à parler à la terre. Terre, écoute la voix de Dieu. Terre, écoute la voix de l'Éternel. Terre, entends la voix de l'Éternel. Mais divise-toi en deux. Plus arrête-toi de ton regard. Ça, c'est le pouvoir de la parole. Et aussi, ce pas ce pouvoir. Tu pourras vaincre la tentation. On va expliquer. C'est ça l'entourage. Dans notre entourage, nous devons vaincre le monde par la parole. Nous sommes appelés à exercer le pouvoir du ciel sur la terre par la saine doctrine. Gloire à Jésus. Donc, ayant reçu la parole de Dieu, il est appelé. L'homme est appelé, l'homme né de Dieu est appelé à transmettre cette parole à son entourage. Parce qu'il est le seul de la terre. C'est pourquoi il a régler le pouvoir du ciel sur la terre. Matthieu 5, 13. Notez sur moi. C'est par là qu'on saura que la parole de Dieu demeure en lui. C'est par là qu'on reconnaîtra qu'il est né de Dieu. Si tu dis que tu es né de Dieu, et tu es incapable de cesser l'autorité de la parole sur la terre. Tu n'es pas né de Dieu. Si tu dis que tu es né de Dieu, tu as encore la peur. Si tu dis que tu es né de Dieu, tu es capable de vaincre l'ennemi par la parole de Dieu. Tu n'es pas né de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Né de Dieu est un témoignage intérieur. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'être de Dieu est un témoignage intérieur. Si nous sommes de Dieu, nous devons exercer le pouvoir de la parole sur la terre. Si nous n'exerçons pas le pouvoir de la parole sur la terre, ça prouve que nous sommes nés de Dieu. Or, c'est le témoignage qui montre que nous sommes nés de Dieu. Mais ça commence d'abord par un témoignage intérieur de notre cœur. Ton cœur doit te dire que tu es enfant de Dieu. Ton cœur doit te dire que tu as le pouvoir de la parole. Alléluia. Voilà. Romains 16. Donc, l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Maintenant, si tu reçois la parole de Dieu, si tu reçois la parole de Dieu, tu es appelé à donner. C'est ça la loi du recevoir et du donner. Tu reçois la parole de Dieu et tu donnes la parole de Dieu au monde. C'est ça qui fait de toi le sel de la terre. Recevoir la parole de Dieu en toi
Un témoignage intérieur dans le cœur, dans l'esprit. Donner la parole de Dieu dans le monde, un témoignage public, extérieur de la parole de Dieu. Il y a deux témoignages, le témoignage intérieur et le témoignage extérieur. Intérieur, c'est que moi je suis enfant de Dieu, je suis sauvé par moi. Extérieur, c'est parce que je suis sauvé. Je dois déclarer cette parole parmi mon entourage. C'est là que je serai le sel de la terre. Nous avons aussi la loi du recevoir et d'exercer la parole. Cette loi, c'est la loi. C'est la même chose. Recevoir et donner. Recevoir et exercer. Nous allons comprendre. Matthieu 4, verset 1 à 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Je lis le nom de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Si tu es fils de Dieu, qui est fils de Dieu, le pose encore la question, si tu sais. Ouvrez le tout, vous devez parler de votre fils. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment Jésus répond? Il ne répond pas là. C'est comme ça que nous devons triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Je reçois la parole par la loi du recevoir. Mais je dois donner la parole et l'exercer. Jésus a reçu la parole. Lorsque l'ennemi est venu, il exerce la parole. Il est écrit. Le diable a pris un verset et lui donner. Et lui aussi retourne par le parole pour renverser. Donc, ils sont appelés à anéantir une mauvaise parole, pas une bonne parole. Donc, il y a un combat entre parole. C'est pour ça que nous devons triompher. Le diable est le père du mensonge. D'abord, il te tient. Il cherchera toujours à vous mentir. Il cherchera toujours à vous séduire. Il cherchera toujours à semer l'hiver en vous. C'est à vous d'exercer la parole pour faire quoi? Pour neutraliser sa force et pouvoir. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu. Ah, si tu es, j'ai pas vu, c'est une doute, c'est pas le doute, c'est une condition. Si tu es fils de Dieu, Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Car il est écrit. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à tes anges. Et ils te porteront sur la main de peur que ton frère ne heurte toute sa terre. Un verset de la Bible. Pour séduire Jésus. Pour tromper Jésus. Il n'y a que celui qui est devant lui. C'est lui la parole. C'est pourquoi toi même tu es la parole. Lorsque Satan prendra une parole tweetée, ou bien va transformer négativement la parole de Dieu. Pour venir te séduire. Tu ne répondras pas quel moyen. Par la parole permanente et vivante de Dieu. Pour neutraliser ce que tu dis. Ok. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Ah. Nous sommes à une génération que tous les chrétiens doivent exercer le pouvoir de la parole. Triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. Quand tu entends, il est écrit. Et tu sais que ce qu'il est écrit, c'est pour te conduire dans la mort. Le filet de Satan. Toi, tu réponds, il est aussi écrit. Hein? Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore. Jésus fait de nous des seigneurs devant Satan. Devant le prix de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Le diable le transporta encore sur une montagne. Sur une montagne. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc voilà le prix de ce monde. Il montre les gloires, la gloire périssable de ce monde. Le royaume terrestre, la vanité de ce monde.
C'est comme ça qu'on te présente ces choses aujourd'hui. Il est le prince du mal. Et par ton nuance, il aura le pouvoir sur toi en te montrant les biens, les valeurs, la gloire de ce monde. Lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Il est... Donc il dit, retire-toi de moi, Satan. Quand tu entends la voix de Satan, tu sais, non? Tu dis, tu sais, tu dis, retire-toi. Arrière de moi, Satan. C'est comme ça. Arrière de moi, Satan. Je suis sauvé. Arrière de moi, Satan. Je suis un Christ, je ne pécherai pas. Arrière de moi, Satan. Cette voix qui me conduit, arrière de moi. Arrière de moi. Redis-toi de moi. Je ne réponds Satan. Je ne réponds mal. Parce que tu es appelé à triompher de son royaume. Ça, la sainte doctrine. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le suivras lui seul. Alors le diable le laissa. Vous voyez, le diable le laissa. C'est comme ça le Seigneur veut faire de toi pendant cette mission. Cette mission doctrinale, c'est pour que tu sois rempli de la parole. Là, désormais, le diable te laissera dire, lui, là, on ne peut pas le toucher. Il est rempli de la parole. Gloire à Jésus. Donc, on voit qu'il y a deux fois que le diable va aller vers l'humain. Aller vers Jésus. Attends. Ça veut dire deux fois. On va noter, c'est deux fois que le diable va séduire les hommes. Et si peu, à vos ans, on l'a séduit deux princes. Écrivez. Le diable va avec deux princes. Ou bien, mais à vos ans, il y a deux fois que le diable va séduire deux princes. Si peu, à vos ans, le premier, c'était Adam. Et puis, avec Ève et Adam. Adam, disons Adam, dans le jardin. Il est le prince que Dieu a établi sur le monde, sur la terre, dans le jardin. Le premier Adam, qui était le premier prince, est tombé à terre, a échoué. Mais le second Adam, lui n'a pas échoué. Lui n'est pas tombé à terre. Mais lui, il a triomphé de lui par la parole. C'est ça le pouvoir de la parole. Le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus. Donc vous avez deux tentations. La première c'était dans le jardin. La deuxième c'est dans le désert. Le premier est échoué. Le second est victorieux. Toi tu n'es pas à l'image de celui qui a échoué. Lui son échec est une mauvaise image. Mais nous sommes à l'image de celui qui a réussi. Qui est Jésus le second Adam. Qui l'a vécu dans le désert. Qui a vécu à la croix. Oui. Sans l'image de Jésus. Donc nous devons triompher par la parole. Par la parole, le pouvoir de la parole. Le pouvoir spirituel de la parole. C'est possible. C'est bien par la parole. C'est bien par la parole. Bien par la parole. Ça l'exercice de la parole. Le monde entier. Quand on va finir ce séminaire, vous allez voir que le monde entier, c'est comme un livre qu'on voulait. Parce que tu verras que Dieu t'a mis au-dessus du monde. Le monde devient comme un papier, comme un livre. Le monde devient comme une feuille qu'on balance. Parce que Dieu a en train de te lever au-dessus du monde. Il est en train de te mettre au-dessus du monde. Par ses enseignements. Gloire à Jésus. Donc, quand nous sommes, si nous sommes nés de Dieu, en même temps vient la tentation. Car ça, écrit ça quelque part. Tous ceux qui sont nés de Dieu doivent subir la tentation. Adam a subi la tentation. Il a joué à la tentation du diable. Jésus a subi la tentation. Mais il a été victorieux. Donc nous aussi, nous sommes victorieux. L'Écriture dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il donnera la force d'être victorieux face à la tentation. Gloire à Jésus. Donc c'est là nous disons que dans 1 Jean 5 verset 20, n'aimez pas le monde,
les choses qui sont dans le monde. Car celui qui est le monde, l'amour du Père pour lui. Satan présente le monde à Jésus. Voici, le monde à partir de Jésus du monde. Il dit non, je ne réfléchirai pas, je devant le monde. C'est parce que c'est toi qui dois réfléchir, je devant le monde. Car tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est ici, ce n'est pas nous qui allons réfléchir, je devant le monde. C'est le monde qui réfléchit, je devant le monde. Pour obéir à la parole de Dieu. Alors, comme tu le sais très bien, tu as le pouvoir de ta langue. Tu as aussi le pouvoir de ton esprit, de ta pensée. En toi habite maintenant la parole. Ou bien, oui. Maintenant que la parole habite en toi, tu dois faire attention à ta langue, à ce que tu dis. Parce que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Tu dois faire attention à tout ce que tu diras. Désormais, de toi sortira les décrets de Dieu. De toi sortira le conseil divin, les décrets de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Philippiens dit, Philippiens 4, 8. Comme tu as la parole maintenant, tu dois utiliser la parole aussi pour vaincre le monde. Alors, écoute ce que Dieu te dit. Philippiens 4, 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, clairement. Donc désormais, attention à votre pensée. Ce que vous pensez, à votre bouche, ce qui sort de vous. Parce que désormais, tu es fait de vous. Ça dit pas le pouvoir spirituel de la parole. Votre bouche devient la bouche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Votre bouche devient la bouche de Dieu. Vos yeux deviennent les yeux de Dieu. Votre oreille devient l'oreille de Dieu. Votre nez devient le nez de Dieu. Vous devez faire désormais attention à ce que vous verrez, à ce que vous allez attendre, à ce que vous sentirez, à ce que vous direz. Parce que maintenant, le Seigneur fait de ta bouche ta bouche. Il parlera par toi pour dominer sur le plein de ce monde, dominer sur le monde et sa puissance. Parce que c'est à toi qu'elle donne la puissance, la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avons le pouvoir spirituel. Nous sommes appelés, nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes appelés à triompher du monde par le pouvoir spirituel de la parole. C'est une capacité spirituelle qui nous permet de vaincre le monde. Le monde a toute autorité sur nous. En Jésus, nous avons triomphé du monde par la foi, par la saine doctrine. Acclame Jésus. Chantons sur le futur. Alléluia.
Jésus. Nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous en prions. Et demander pardon au Seigneur d'avoir péché contre lui, d'avoir livré ton autorité à Satan, d'avoir livré ton pouvoir auprès de ce monde, d'avoir toi qui es arrêté presse, tu as laissé le péché envahir ta vie, et ce péché appelle toi. Ce péché appelle de toi. Au lieu que tu sois une presse, tu deviens un esclave qui marche à terre. Demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Le péché a envahi ma vie. Le péché a envahi ma vie. Moi qui suis devant le même prince pour dominer sur la terre, pour triompher de la terre, je suis devenu un esclave. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Prie, prie, dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai laissé mon autorité. J'ai laissé ma domination. J'ai laissé mon autorité. J'ai laissé ma domination. J'ai laissé ça au cœur de ce monde. Pardon. Seigneur, 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 pardonne-moi. 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 Puis, puis, sincèrement. Le Seigneur peut changer ton identification. Il veut changer ton identité. Dans un sommet spirituel, il veut changer ta vie. Il veut te renouveler. Demande au Seigneur pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, je te demande pardon. Oh, d'avoir péché contre toi. D'avoir trahi ta parole. D'avoir rejeté ta parole. D'avoir béni du péché. Une vie d'arrogance. Une vie de dissolution. Une vie d'orgueil. Une vie de vanité. Seigneur, pardonne-moi. Puis dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. 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 Seigneur, pardonne-moi. 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 Seigneur Jésus. Puis c'est seulement. Puis c'est seulement. Seigneur, pardon. Nous avons ignoré ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. 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 Prie, 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 prie. Seigneur, la bouche que je dois exercer, la bouche que je dois utiliser pour exercer la parole, j'ai pris cette bouche pour pécher, pour parler mal, pour haïr, pour proférer des calomnies, pour déclarer des mensonges. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris cette bouche pour me maudire. Je me suis maudit. Et je dis, je suis livré à l'enfer. Tu as dit, je suis perdu. Tu as dit que tu es allé en enfer. Que tu es de la sainte doctrine. Tu es de la sainte doctrine. Tu parles, tu es de la vérité. Et tu dis, je suis en enfer. Tu as offensé Dieu. Tu as dit, qui est au ciel? Qui est en enfer? Tu as fait mentir, Seigneur. Tu as dit ce que Jésus n'a pas dit. Tu as dit ce que Jésus n'a pas fait. Demande pardon. Demande pardon d'avoir été incrédule. D'avoir été incrédule à la parole de Dieu. Demande pardon. D'avoir été orgueilleux. D'avoir été antisocial. Lorsque la parole de Dieu te parlait,
Seigneur, lorsque tu dis Seigneur, lorsque la parole de Dieu me parlait, j'étais en caillou. Je rejetais la parole. Je méprisais la justice. Dans ma vie, je n'ai pas une bonne communion avec toi. Pardon, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai amené la connaissance de la vérité. Je connais maintenant les lois du ciel. Pardonne-moi. 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 Au nom de Jésus, j'en prie. Lève-toi, 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 nous continuons à prier. Le reste, il va continuer à la maison. Déjà, tu as les requêtes. Le reste, il va continuer à la maison. Demain matin, nous sommes encore là. On prie sur le même sujet. Midi aussi, nous sommes encore là. Qui m'a prié? Qui m'a dit Seigneur? Seigneur Jésus, je prends conscience. Maintenant, je prends maintenant conscience. Que je t'ai offensé. Que je t'ai offensé. Que j'ai perdu mon autorité. Je prends conscience que j'ai péché contre toi. Maintenant, je me répands de mes péchés. Je me répands de ma vie d'iniquité. Je me répands de la chose abominable. Je me répands et visite tes péchés. Tous les péchés dans lesquels tu te retrouves. Devant Seigneur Jésus. Je quitte cette mauvaise loi. Je ne réponds. Je ne réponds. Je ne réponds de la colère. Je ne réponds de la reine. Je prends l'engagement de bonne conscience. Et je dis, Seigneur, je ne retournerai plus. Je renonce. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Je renonce à la souffrance du monde. Je renonce à l'iniquité. Je renonce. Prie, 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 prie. Plus sérieusement, de ton cœur, dis Seigneur, je renonce maintenant, 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 j'abandonne, je renonce, je renonce, péché, tu ne sens plus pouvoir, péché, oh mort, oh péché, tu as mis à terre la croix, tu as mis à terre par Jésus, oh mort, oh péché, où est ton équilibre, péché, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Je t'abandonne, je te renonce, je renonce à toi, je renonce à toi. Aujourd'hui, je ne vis plus pour le péché, je vis pour Jésus. Ma vie est en Christ, je suis attaché en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui habite en moi, c'est Christ qui vient 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 en moi. Thank you.
tu as la puissance du péché. Je déclare, je décrète, par le pouvoir de la parole. Je ne suis plus soumis au péché. Je ne suis plus soumis au péché. Je ne suis plus soumis à l'iniquité. Je ne suis plus soumis au péché. Je prie du péché. Je prie du péché. Je prie du péché. Par la sainte doctrine, par la parole, par la parole de foi. Je reçois le pouvoir de la parole. Je reçois le pouvoir de la parole. Pour manifester sur terre.
Dieu. Les lois du royaume de Dieu. Les lois du royaume de Dieu sur la terre. Avec le pouvoir de la parole. Jésus sur la terre. Les lois du royaume de Dieu. Priez notre Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accorde-moi, accorde-moi la puissance de la parole, la puissance de la parole, la parole de la parole, pour contrôler les éléments du monde, pour contrôler les éléments de la création, pour vaincre la tentation, pour vaincre la tentation. Je dois me dire, le lieu est écrit. Mets à moi le lieu est écrit. Mets à moi le ainsi dit l'Éternel. Mets à moi le combat des rues du diable. Par le pouvoir, le vent de la tentation. Par la parole. Prie au nom de Jésus. Oh.